marchons ensemble, nous marchons ensemble vers ce beau pays là-haut. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble vers ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend, quelqu'un nous attend dans ce beau dans ce beau pays là-haut. Oui, Jésus nous aime, oui, Jésus nous aime dans ce paradis là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Frères et sœurs, bonsoir. Nous partageons ce soir la parole du Seigneur et j'aimerais voir avec vous combien le Seigneur désire que nous puissions faire sa volonté. Savons-nous discerner la volonté du Seigneur? Pour cela, j'aimerais vous conduire tout d'abord dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 1er, où le Seigneur nous invite à discerner le temps dans lequel nous vivons. Dans cette épître, l'apôtre Paul dira, poussé par le Saint-Esprit, qu'à la fin des temps, il y aura la croissance du mal. Savons-nous discerner le temps dans lequel nous vivons? Dans les derniers jours, l'Écriture nous dit que tous les progrès de la civilisation, de la science, de la philosophie ne pourront aucunement parvenir à changer le cœur de l'homme qui est mauvais par nature. Et nous disons, c'est une grande réalité. C'est Dieu qui a pu changer notre cœur. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une progression du mal, une déchéance humaine. La parole de Dieu nous dit qu'à la fin des temps, les hommes seront égoïstes. L'amour d'eux-mêmes et de l'argent pour satisfaire leurs désirs sera la priorité. Les hommes seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irreligieux. Et nous voyons cela. Il y a de moins en moins de personnes qui se tournent vers le Seigneur. Les hommes seront insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et le Seigneur nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Dans le passé, vous le savez, il y a eu de mauvais exemples. Mais n'y en a-t-il pas de plus en plus? L'apôtre Pierre dira, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine.
Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Nous constatons avec tristesse ceux qui ont abandonné le Seigneur. Et certains en abandonnant le Seigneur, par leurs mauvaises actions, ont entraîné dans leur égarement d'autres personnes. D'autres ont été sujets de scandales par leurs mauvaises actions. Et nous avons eu suffisamment d'informations et nous en avons suffisamment ces derniers temps. Et nous voyons que le mal va en empirant. Et à cause de ces personnes, je dirais entre guillemets religieuses, la voix de la vérité a été calomniée. Mais en contraste avec cela, le Seigneur nous dit que dans la fin des temps, nous devons marcher de mieux en mieux avec le Seigneur. Et l'apôtre dira aux Thessaloniciens, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à marcher de progrès en progrès. À la fin des temps, la voie de la vérité est calomniée par ceux qui ne marchent pas selon le conseil de Dieu, qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient par leur comportement toute la force et la vérité. Le Seigneur désire pour chacun de nous, il est bon de discerner ce que le Seigneur désire. Le Seigneur Jésus nous dira ce qu'est sa volonté pour nous. Il nous dira, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors il est bon de marcher à l'exemple du Seigneur. Le Seigneur dira, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Tous ces hommes qui ont l'apparence de la piété, qui se disent religieux, et le Seigneur Jésus a été en contact avec ces religieux, les scribes et les pharisiens, et dira, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils font et ne font pas. Leurs œuvres étaient mauvaises. Et l'exemple parfait sans faille, celui du Seigneur et de ceux qui marchent comme lui-même a marché. Le Seigneur Jésus est l'exemple parfait. C'est l'exemple à suivre. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous suivions l'exemple parfait du Seigneur. Discernons ce qu'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur nous dira ceci. Il commencera par nous dire ce qui est important. C'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et Jésus dira, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur nous invite à marcher, et c'est là sa volonté, à marcher à son exemple, et nous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est l'apôtre Jean qui dira, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En action et avec vérité. Mais comment aimer avec vérité? Quel parfait modèle trouver? Comment voir que Jésus nous a aimés? De quelle manière il nous a aimés? Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1er, il nous est dit que Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, Jésus mit le comble à son amour pour eux. Il mit le comble à son amour pour eux. Et le Seigneur nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres, mais cet amour doit progresser, doit aller plus loin. Jésus a mis le comble à son amour pour nous. Et le Seigneur nous invite et nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, et c'est là, être sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Mettre le comble à son amour, être sincère, de s'aimer ardemment, de s'aimer de tout notre cœur.
Et n'est-ce pas ce que le Seigneur demande, d'aimer Dieu également de tout notre cœur et de s'aimer les uns les autres de tout notre cœur? Et si nous nous aimons les uns les autres de tout notre cœur, nous pourrons suivre sans aucune difficulté le parfait modèle, le parfait exemple du pardon que l'on trouve en Jésus. Parce qu'il faut beaucoup d'amour, me semble-t-il, pour pardonner comme Jésus nous a pardonné. Et c'est là la volonté du Seigneur. D'où l'importance de mettre le comble à notre amour. D'où l'importance de s'aimer ardemment. Parce que l'amour est agissant. Lorsque nous voyons la personne de Jésus, le corps de Jésus qui était flagellé, le front du Seigneur qui a été meurtri par cette couronne d'épines que l'on a enfoncée sur sa tête. Lorsque nous voyons la souffrance du Seigneur crucifié à la croix, ses mains percées, ses pieds percés, son corps suspendu sur une croix tenue par les clous. Lorsque l'on voit l'agonie du Seigneur, son visage déchiré par la souffrance, défiguré, nous pouvons être consternés lorsque nous entendons le Seigneur dire, mais Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour parfait du Seigneur. Et le Seigneur dit, mais pardonnez-vous comme moi-même je vous ai pardonné. Pardonnez-vous aussi. Ça, c'est l'exemple merveilleux. Mais c'est parce que Jésus nous a aimés. Parce que l'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Et Jésus est l'exemple parfait et le modèle de perfection. Et Dieu veut que nous marchions à son exemple. C'est ainsi que le Seigneur Jésus nous a pardonné à la croix du calvaire, en excusant tous nos péchés, en excusant chacun, chaque pécheur que nous sommes. Le Seigneur nous a conduits sur le chemin du pardon pour aller vers ceux qui nous ont offensés, pour se réconcilier avec ceux qui vous ont fait du mal. Le Seigneur Jésus est la victime, mais il est celui qui a été offensé. Le Seigneur Jésus nous a offert son pardon. Il nous a donné sa réconciliation. Il est l'artisan de paix par excellence. Le Seigneur désire, il veut que je marche à l'exemple de mon Sauveur, que je sois humble comme Christ a été humble. Et peut-être quelqu'un dira, mais ce n'est pas à moi de faire le premier pas, c'est à lui. Jésus a fait le premier pas pour nous sauver. Dieu a engagé sa volonté, son amour pour nous sauver. C'est lui qui a fait le premier pas. Il a envoyé Jésus. Et Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié. Il s'est rendu comme un simple homme. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même, il s'est abaissé, il s'est fait le plus petit pour venir jusqu'à nous, pour nous sauver, pour nous réconcilier. Il l'a fait pour le pardon de chacun d'entre nous. Et le Seigneur dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu marches et que tu suives le parfait exemple de ton Sauveur. Sois un modèle également en compassion. Ne voyons-nous pas Jésus dans les saintes Écritures, Jésus ému de compassion devant la souffrance, devant la détresse, devant la peine des parents, devant la peine de cette foule qui est languissante, qui est abattue. Jésus qui est ému de compassion lors d'un deuil, lorsqu'il voit la veuve de Naïn, lorsqu'il est au tombeau de Lazare, qu'il voit le cœur déchiré de ceux qu'il aime, le Seigneur est ému de compassion pour eux. Suivre cet exemple parfait et d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Être un modèle en parole, suivre l'exemple parfait de Jésus. Et le Seigneur nous rappelle, il nous est dit que le Seigneur Jésus avait des paroles merveilleuses. Les hommes, lorsqu'ils entendaient le Seigneur Jésus, il nous est dit, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.
marcher à l'exemple du Seigneur dans sa conduite. Et c'est à cela également que le Seigneur nous invite. Conduisez-vous avec sagesse, avec ceux du dehors, et rachetez le temps. Il nous a dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Le Seigneur avait une parfaite conduite, et Dieu nous invite à avoir une conduite qui soit à la gloire de Dieu. Que par notre conduite, les hommes, ceux qui nous entourent puissent voir le caractère différent qui existe entre ce monde perdu, qui se dégrade, et qui a un cœur qui est de plus en plus dégradé, dont le mal va grandissant dans le cœur des hommes, mais qu'il y a une différence entre ceux qui ne servent pas le Seigneur et ceux qui servent Dieu. Qu'ils soient gagnés sans parole par votre conduite, en voyant votre manière de vivre, en n'ayant pas seulement l'extérieur, mais en ayant la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant le Seigneur. Oui, il y a une différence entre celui qui dit et qui ne fait pas, et entre celui qui se tait et qui est un modèle, qui est le parfait modèle de celui qui l'a sauvé, de Jésus son sauveur. L'Écriture nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et le Seigneur ne veut pas que le mal grandisse en nous, mais que le parfait modèle de Christ soit vu en nous, et que nous puissions croître et continuer de croître en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Marcher à l'exemple du Seigneur, d'imiter la foi de ceux qui héritent des promesses de Dieu, la foi qui nous fait traverser les épreuves, la foi qui nous permet de trouver le secours, la délivrance lorsque nous sommes en difficulté. Accepter de souffrir de même que Christ a accepté de souffrir. Jésus est l'exemple parfait de ce salut merveilleux qu'il nous donne, mais de la souffrance. Et il est celui qui a su souffrir, marcher jusqu'au bout. Et l'Écriture nous invite à marcher en ayant les regards sur Jésus, qui est le chef, le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Et le Seigneur nous rappelle dans sa parole, dit « Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'amener découragé. » Marchons à l'exemple du Seigneur. C'est ce que Dieu veut pour nous. À la fin des temps, nous devons être un modèle de pureté. Nous devons avoir la pureté qui est là notre partage. Et nous devons marcher selon le modèle de Jésus-Christ. Jésus est le modèle de pureté. Il était tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il y avait de bonnes œuvres dans le Seigneur. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Et le Seigneur nous invite à marcher et à faire comme le Seigneur a fait, d'être des modèles de bonnes œuvres. Et c'est ce que l'Écriture nous dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Marcher à l'exemple du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Les conducteurs spirituels doivent marcher à l'exemple du Seigneur. Je dirais que les moniteurs de jeunesse doivent être des modèles pour la jeunesse qui leur est confiée. Les moniteurs d'école du dimanche doivent être des modèles pour les enfants. Les parents doivent être des modèles et sont des modèles pour leurs enfants. Les femmes âgées sont des modèles pour les plus jeunes. Et quelle grâce! Et c'est important de pouvoir marcher à l'exemple du Seigneur. L'apôtre Paul dira « Soyez mes imitateurs frais et portez les regards sur ceux qui marchent
selon le modèle que vous avez en nous. On ne se fie pas aux apparences. Mais on doit être parfait, comme notre Père Céleste est parfait. C'est là la volonté du Seigneur. Jésus dira, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus nous a donné un exemple. C'est là la volonté de Dieu. Quelle est la volonté du Seigneur? Discernez quelle est la volonté de Dieu dans notre façon de vivre, dans notre conduite. Mais quelle est la volonté du Seigneur pour ce monde? Nous entendons et nous avons peut-être appris, nous avons entendu peut-être cette prière dans la prière dite le Notre Père, où le Seigneur dira en enseignant à ses disciples comment prier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est la volonté du Seigneur pour nous aujourd'hui? Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que l'Épître aux Thessaloniciens nous dit au chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu veut que vous soyez saints comme lui-même est saint. Il veut que nous nous éloignions de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de l'orgueil de la vie. Dieu veut que vous soyez affranchis du péché et forts en sachant posséder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. Mais ce que Dieu veut également, c'est que vous soyez victorieux sur le tentateur. Il veut que vous soyez victorieux au jour de la tentation en résistant aux convoitises. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 14, il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Dieu veut que vous soyez victorieux. Dieu veut que vous soyez victorieux sur le tentateur, comme Jésus lui-même a été victorieux. Dieu veut, frères et sœurs, il veut également que vous soyez heureux. Et pour cela, le Seigneur nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sachons discerner la volonté du Seigneur. Dieu veut que nous soyons honnêtes sans livrer notre cœur à la cupidité. Et l'Écriture nous dit dans Hébreux 13, 5, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Le Seigneur nous invite en nous rassurant en disant « Je ne te délaisserai pas, je pourvoirai à tous tes besoins. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à rechercher à t'enrichir de plus en plus. Compte sur la grâce de Dieu. Dieu veut que vous soyez heureux. » C'est quelque chose d'important. Discerner la volonté du Seigneur, c'est également discerner que Dieu veut mon bonheur. Dieu veut votre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Le Seigneur a tout mis en œuvre pour que nous soyons heureux. Maintenant, le bonheur dépend uniquement de nous. Le Seigneur nous a transformés, nous a sauvés. Dieu pourvoit nos besoins. Jésus nous secourt, Jésus nous guérit. Le Seigneur nous console, nous fortifie, il est avec nous. Il est à nos côtés dans l'épreuve de la vie. Mais le Seigneur désire que nous soyons heureux. Et dans Ésaïe chapitre 48, verset 18, le Seigneur dit « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Cela nous montre bien que le bonheur dépend de nous également parce que Dieu a tout mis à nos côtés. Mais nous ne pouvons pas saisir ce bonheur si nous marchons dans le péché, si nous ne faisons pas ce qu'est la volonté de Dieu. Dieu veut que je sois heureux. Et pour cela, il a mis tout à ma disposition. Alors il me dit maintenant, si tu étais attentif à mes commandements,
Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Dieu veut pour nous, frères et sœurs, un bien encore plus excellent. Dieu veut que je sois sauvé. Dieu veut que je sois avec lui dans le paradis. Et Jésus dira à ses disciples dans Jean 14, 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Dieu veut que nous soyons un témoignage à la gloire de son nom, le témoignage qui est rendu à ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur. Et l'heureuse espérance qu'ils ont du retour du Seigneur Jésus et de l'assurance de la vie éternelle. Dieu veut cela pour chacun de nous, c'est là sa volonté. L'apôtre dira aux Thessaloniciens, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Notre vie, notre conversion est un témoignage à la gloire de Dieu. Il est dit, vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qu'il a délivré de la colère à venir. Dieu veut que nous soyons un témoignage par notre conversion, mais que nous soyons également un témoignage par l'espérance que nous avons de la vie éternelle, de cette attente que nous avons que Jésus revient des cieux, qu'il revient nous chercher, que nous avons l'assurance de la vie éternelle et qu'il nous a délivrés de la colère à venir et qu'il nous a préparé une place dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, le salut ne s'arrête pas à nous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est à nous il nous revient la tâche d'être des témoins à la gloire du Seigneur. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Soyons des exemples, soyons des modèles, marchons à l'exemple de Jésus-Christ et nous serons un témoignage à la gloire de Dieu. Dieu veut. Et sachons discerner quelle est la volonté du Seigneur. Nous l'avons vu en quelques exemples, mais peut-être dans un esprit de prière, pourrions-nous regarder le psaume 143, verset 10, et avec un cœur sincère, en s'adressant au Seigneur de tout notre cœur, de pouvoir dire, oui Seigneur, je veux discerner ce qu'est ta volonté, de pouvoir lire ce psaume 143, verset 10, en s'adressant au Seigneur dans un esprit de prière, et disons au Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne et qu'il vous fortifie de plus en plus. Ensemble. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnes déjà près de ton cœur, tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné, toi seul pouvais me libérer, c'est pour je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir.
dans ta présence. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul. Yeah.